Salut à toutes et à tous. Eh bien oui, c'est encore moi. C'est la chronique magie et curiosité du mois d'avril. Les vacances approchent, donc ça va être sympa. Vous allez pouvoir vous amuser avec, ces petits tours que je vais vous présenter. Voilà, donc l'actu rapide. Au mois d'avril, je serai sur Angers, voilà, avec Tricheur au Resto Théâtre. Donc n'hésitez pas à suivre mon actu sur Facebook. Ce sera la troisième semaine d'Angers, la troisième semaine d'avril. 20, 21 et 22 avril au Resto Théâtre. Voilà. Et puis plein de surprises pour la rentrée, mais ça je vous en parlerai après. Ok, premier tour, les As. Alors les As, comment ça se passe? Eh bien ça se passe ici, sur le tapis. Venez. Ok. Jeu de cartes. Je coupe un petit peu, voilà, comme ceci, parfait. Et donc, vous demandez à un spectateur de vous donner un nombre entre 10 et 20. Admettons qu'ils disent 12. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12, c'est 1 et 2. Ça fait 3. 1, 2, 3. Pardon. 3. Attends pour moi. Ok, un autre spectateur, un nombre entre 10 et 20, je sais pas moi, ce que vous voulez, hein, entre 10 et 20, 14 par exemple, allez 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 c'est 1 plus 4, 1 et 4 ça fait 5, 1, 2, 3, 4, 5. Vous avez vu, c'est choisi à chaque fois, vous verrez, c'est le choix est libre. Un autre spectateur, allez, entre 10 et 20, n'importe, combien? 11, eh bien 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11, c'est 1 et 1, ça fait donc 2, 1, 2, hop, on met la deuxième ici. Et enfin, un dernier spectateur, allez, combien? Entre 10 et 20, n'importe, combien? 19, oula, ça fait beaucoup ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19, c'est 1 plus 9, c'est 10. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10e carte. Donc les nombres ont été choisis entre 10 et 20 au hasard, on est bien d'accord. Vous ne pouvez pas le savoir, le jeu a été coupé et pourtant vous êtes tombé sur un as, un deuxième as, un troisième as et un quatrième as. Et voilà. Bluffant, non? Oui, je sais. C'est une façon de forcer les as au nombre. Ok, comment ça se passe? Explication. Un jeu de cartes. Vous avez donc sur le dessus du jeu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cartes quelconques suivies des 4 as. Ok, voilà le montage. Donc, vos 4 as, 9 cartes quelconques. Faites un faux mélange ou un mélange partiel, en conservant par exemple le reste du jeu, les 13 cartes qui sont dessus, comme ça vous gardez votre montage, ou alors vous faites une fausse coupe, du tricheur, ou alors une fausse coupe comme ceci, voilà. Bref, vous gardez votre montage intact. Vous demandez un nombre entre 10 et 20 aux spectateurs, n'importe lequel, admettons qu'ils vous disent, tiens, on va commencer par 10, parce que c'est peut-être un cas particulier pour vous, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, c'est 1 plus 0, donc c'est 1. Et donc, on pose la première carte. C'est un as. Si c'est, par exemple, 12, ou 13, ou 14, allez, 14, on va faire, tenez. Alors, on fait donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14, c'est 1 plus 4, ça fait donc 5. 1, 2, 3, 4, je pose la cinquième carte. Et c'est encore un as. Et je pose le reste du paquet sur les cartes qui sont sur la table. Et je repose le tout ici. Et c'est reparti. Mettons 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 1 plus 8, ça fait 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9e carte, encore un as. On pose le reste du paquet par-dessus. Cas particulier, 20. Cas particulier. C'est rare qu'on vous le dise, mais on ne sait jamais. 20. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. L'as va se retrouver automatiquement en 10e position. Donc 20, vous dites que bah, c'est 2 fois 10, point final. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et là, vous posez la 11e carte. Okay, ça, c'est vraiment le cas particulier. Mais c'est rare qu'on vous dise 20. Sinon, voilà la méthode. Ok? Alors, entraînez-vous. Très important. La ficelle indestructible. Un brin de laine qui coulisse dans une paille, comme ceci. Ok? Regardez bien. Comment montrer que la ficelle est indestructible alors qu'elle passe vraiment dans la paille? On est bien d'accord?
On introduit les ciseaux, vraiment entre les deux. Vous pouvez montrer. Ok. Eh oui, forcément. En revanche, si vous faites juste comme ceci, une petite passe magique. Et là, on s'aperçoit que la cordelette, la ficelle, est toujours réparée. Intacte, indestructible. Comment ça se passe? Explication. Alors pour la paille, très simple. Donc, vous prenez une paille, un cutter. Alors là, vous vous faites aider d'un adulte. Il faut fendre la paille sur à peu près les deux tiers, d'accord? Enfin, sur un tiers, en fait. Vous la coupez en... Vous imaginez qu'elle est en trois parties. Regardez, une, deux, trois parties. Et vous allez couper de là à là. Vous la fondez. Alors, vous demandez à un adulte de vous le faire, parce que c'est quand même un peu dangereux, hein, qu'un cutter. Donc, on fend la paille. Voilà, comme ceci. Très bien. Comme vous pouvez le voir, la paille est donc fendue. Ok, c'est bon. Et donc, dans l'idée, vous faites glisser votre brin de laine à l'intérieur. Pas toujours facile, ça. On y va. Voilà. Voilà, il faut faire attention de ne pas l'avaler. Donc, ça y est, le brin de laine est à l'intérieur. Donc, la coupure, la fente vers vous, vous pliez en deux, comme ceci. Je l'ai mal fait tout à l'heure. Voilà. Et quand vous allez mettre vos doigts ici devant pour cacher, et vous allez tirer un coup sec pour montrer que c'est bien dedans. En fait, l'idée, c'est de faire descendre la, voilà, vous voyez, c'est de faire descendre la petite cordelette dans la fente. Ce qui vous permet donc de passer votre paire de ciseaux. Donc quand vous faites descendre ça, clac, vous tirez un coup sec, vous pouvez maintenant venir cacher avec vos deux doigts, vous passez dedans, vous coupez. Et là, c'est génial parce que l'illusion est super bonne. D'accord? La corde passe, on est d'accord, ici. Elle est cachée dans les doigts. Voilà, c'est bon. Si on enlève, voilà la situation. Et en revanche, ce qui est génial, c'est que vous pouvez vraiment montrer que c'est coupé. Puis ensuite, pour accommoder, vous ramenez les deux bouts comme ceci. Vous étendez un petit peu. Et là, vous tirez. Et vous montrez que la corde est réparée. Vous vous débarrassez assez vite des morceaux, parce que si on inspecte, évidemment, on va voir que la paille est fendue. Donc on trouvera le truc. Amusez-vous, l'illusion est très bonne. Alors là, maintenant, c'est pas vraiment un tour, c'est plutôt un défi, un pari, un truc rigolo à faire avec des copains ou des copines. Tenez, je vous fais le pari que je vais arriver à couper, parce que depuis tout à l'heure, vous voyez cette tasse qui pend ici. Hein, c'est vrai que dans un bureau de magicien, on trouve des trucs un peu fous, mais je vous parie que j'arrive à couper la ficelle sans faire tomber la tasse. Et comment? Vous pariez? Oui. Ok, alors pari tenu. Regardez bien. Je ne vais pas faire tomber la tasse. C'est très très simple. Regardez bien. Voilà. 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 Et maintenant, je coupe la ficelle sans faire tomber la tasse. Pari gagné. Allez, amusez-vous, bonne magie, et on se retrouve bien évidemment le mois prochain pour une nouvelle rubrique magie et curiosité. Allez, à ciao.